Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite pile du mois de juin où il y a beaucoup moins de livres que d'habitude, mais on va y aller quand même et j'espère qu'elle vous plaira. Et on commence tout de suite avec The Reality Dysfunction, appelé La rupture dans le réel en français, de Peter F. Hamilton, sorti en 1996 pour la première édition. Remarque, c'est une édition que j'ai achetée en seconde main et qu'elle est complètement défoncée. J'adore la seconde main. Dans cette histoire, l'humanité a colonisé les étoiles et a rencontré littéralement des centaines de créatures différentes en allant établir des colonies dans l'espace. Le transhumanisme et l'ingénierie génétique sont communs dans ce monde, que ce soit pour l'éradication de certaines maladies ou la création d'humains et d'objets qui dépassent vraiment notre capacité médicale aujourd'hui, comme ce qu'on appelle les Void Hawks, qui sont des vaisseaux, on va dire, vivants qui ont un très fort lien avec leur capitaine. Et qui sont plus ou moins des vaisseaux, on va dire, biologiques. Mais sur une des planètes nouvellement colonisées, un criminel qui est envoyé pour construire la colonie tombe sur une espèce d'entité alien très méchante et très dévastatrice qui est appelée le Reality Dysfunction, donc qui est vraiment cauchemardesque et qui est encore plus impressionnante que le vide de l'espace. C'est hyper compliqué de résumer The Reality Dysfunction parce que déjà, c'est un énorme bébé de plus de 1200 pages. Il suit beaucoup de personnages dans beaucoup d'endroits différents et dans beaucoup de temporalités différentes. C'est une histoire qui s'établit sur littéralement des dizaines, voire des centaines d'années. Mais c'est vraiment du grand space opéra. Ça revient à une de mes dernières vidéos que j'ai postée il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a tous les ingrédients qui font plaisir dans ce bouquin, que ce soit les entités aliens disparues et malignes. Je répète constamment que c'est un de mes ressorts préférés. Voilà, Revelation Space pour n'en citer qu'un, mais c'est vraiment un truc que j'adore. Des vaisseaux spatiaux ultra classe, des personnages hauts en couleur avec un léger petit malus sur Joshua qui est un gros con manipulateur et qui est pas forcément écrit pour qu'on ne l'aime pas, donc là pour le coup je sais pas trop ce que Peter F. Hamilton a voulu dire avec ce personnage, j'espère qu'il est pas censé être cool parce que vraiment c'est un gros con, mais il y a énormément de grosses et de grandes idées de SF dans ce bouquin avec une discussion ultra intéressante sur la religion, dont j'ai déjà parlé dans une de mes vidéos, les communautés, les factions, les ressortissants de différentes factions et comment elles se mélangent entre elles. Bref, voilà, c'est tout ce qui fait que j'avais adoré Salvation, pour citer quelqu'un, enfin pour citer un livre du même auteur. C'est tout ce qui fait que j'avais adoré aussi Revelation Space. Donc vraiment, si vous voulez un livre qui vous rappelle ces trucs-là et qui vraiment fait du gros space opéra, et si vous n'avez pas peur des gros pavés, foncez vraiment parce que c'est du très très haut niveau. On passe maintenant à Authority de Jeff Vandermeer, ou Autorité en français, pour une fois bien traduit, sorti pour la première fois en 2015, un auteur pour lequel j'ai énormément d'affection. C'est un livre qui se passe du coup juste après les événements de Annihilation, souvenez-vous, un de mes livres préférés de l'année, où nous suivons Control, ou Contrôle, ou John Ramirez, qui est le nouveau directeur du Thousand Reach et qui essaye de faire sens du bazar qui a suivi la dernière expédition qu'on a suivi dans le livre Annihilation. Et il essaye aussi de comprendre la raison d'être même de la Zone X ou de Area X. C'est pas nouveau, hein, j'ai vraiment un faible pour Vandermeer, j'ai même un tatouage qui est inspiré de ses travaux. J'adore son style complètement décalé, ses personnages complètement à la masse, les envolées lyriques, les questionnements de ses personnages. On m'avait prévenu que Authority et Acceptance, du coup les deuxième et troisième livres de la série ne sont pas au niveau du premier. En fait, sans dire qu'il est meilleur, je l'ai trouvé vraiment excellent ce deuxième tome. L'histoire est géniale, Control est mystérieux et intéressant. J'ai adoré en découvrir un petit peu plus sur les micmacs de Thousand Reach et comment ça se passe derrière. Donc vraiment à lire. Je vais pas vous spoiler, je vais pas en parler plus parce que j'ai vraiment envie que vous lisiez le premier bouquin si vous ne l'avez pas lu parce que vraiment pour moi c'est un super livre. Mais franchement pour le coup j'ai pas été déçue. Celui-là, c'est une déception. The Sirens of Titan, les sirènes de Titan de Kurt Vonnegut, sorti pour la première fois en 1959. Dans ce livre, un homme qui s'appelle Winston Niles Rumford voyage vers Mars avec son chien qui s'appelle Kazak quand il rencontre, alors je vais le lire pour le coup, un chronosynclastique infoudibulum. Me demandez pas ce que c'est, on va dire que c'est un trou de ver un peu étrange, qui le fait se matérialiser de manière cyclique en divers endroits. Ce qui fait aussi qu'il sait tout ce qui se passera dans son futur. Voilà. Par exemple, il revient tous les 59 jours, il me semble, sur Terre, ou 49, je sais plus, 59, exactement. Et un jour, lors d'une de ses apparitions sur Terre, il rencontre Malachi Constant, qui est l'homme le plus riche de la Terre, c'est un peu le Elon Musk de cet univers, et il prédit qu'il voyagera vers Mercure, Mars, la Terre et Titan, et que Constant aura un enfant avec la femme de Rumford. Il y a une série un peu d'événements farfelus qui s'ensuit,
et qui remplissent du coup les prédictions de Rumford. J'avoue, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal avec ce livre. Vraiment. Et je m'y attendais vraiment pas parce que l'histoire semblait pas forcément se rapprocher à ça, mais le sexisme et le racisme évident de l'œuvre a fait que j'ai vraiment eu des difficultés à rester dedans. Et beaucoup d'éléments sont utilisés vraiment par-dessus la jambe sans jamais être creusés, comme Salo, l'extraterrestre, par exemple. Si jamais vous avez lu le livre, vous êtes sûrement un petit peu aussi étonné que moi de l'utilisation de ce personnage. Et puis le livre est assez... On passe beaucoup trop vite sur plein de choses, en fait. Les événements s'enchaînent sans qu'ils aient vraiment à voir les uns avec les autres pendant un moment. J'ai vraiment juste apprécié la fin. Genre, c'est le seul truc qui a fait que j'ai aimé le livre, parce qu'elle est très cool. Elle me fait comprendre l'engouement pour le livre et pour l'auteur. Mais il faut quand même beaucoup de choses pour arriver à cette fin et passer par beaucoup de passages très problématiques, notamment encore une fois sur la femme de Rutherford. Mais voilà, je trouve ça assez dommage, et c'est vraiment dommage parce que la couverture était hyper cool aussi. J'aime les livres avec des belles couvertures. Passons maintenant à Aurora Rising de Alastair Reynolds, pour l'instant non traduit en français, qui est sorti en 2007. Il serait temps de s'y mettre, les gars, parce que c'est un super bouquin. On y suit Tom Dreyfus, qui est un préfet, une sorte d'agent de police plus, qui travaille dans la Glitter Band. C'est un ensemble en fait d'habitats semi-indépendants, en partie utopistes, mais pas trop pour certains, qui orbitent autour de Yellowstone, qui est une espèce de très grosse planète, un peu siège de l'humanité maintenant, et ce qui le place du coup dans le même univers que Revelation Space ou Chasm City, si jamais vous avez suivi cet univers. Un habitat est détruit de manière très violente, et Dreyfus se rend compte qu'en creusant un petit peu, la solution est peut-être moins évidente qu'il n'y paraît, et qu'une menace, sous le nom du coup de Aurora, qui est une jeune femme morte, supposément il y a plus de 50 ans, serait derrière tout ça. Yes! Ça c'est du bon Alastair Reynolds, comme je les aime. Et en plus, un retour à un de mes plus grands amours de la littérature autre que la SF, qui est le thriller. Et comme quoi, je sais vraiment pas ce qui s'est passé avec Revenger, parce que ce livre est vraiment fantastique, quoi. Les personnages sont vraiment aux petits oignons. Évidemment, il y a Dreyfus, mais il y a aussi Sparver, Gaffney et Jane, qui sont tous ultra différents, mais tous très subtils. Il y a une histoire qui va bien au-delà de la simple enquête pour meurtre, avec une dimension vraiment qui est absolument géante. Les mondes en fait de la Glitter Band sont tous ultra différents et hyper cool. J'adore par exemple l'idée de la tyrannie volontaire où les gens vont volontairement vivre dans une tyrannie pour se punir, je trouve ça vraiment trop cool. Et il y a juste un point noir pour moi dans cette histoire, c'est les passages avec Talia qui sont un petit peu longuets, un peu répétitifs, mais en soi c'est qu'une petite partie minuscule du bouquin parce que vraiment juste absolument fantastique. Et encore une fois, n'est pas coutume, j'avais pas calé que c'était une série, donc il y a deux bouquins dans la série, mais voilà, j'ai commencé encore une nouvelle série de livres. Ça devient habituel pour moi ce genre de bêtises. The Broken Eye. Troisième livre de la pentalogie Lightbringer, L'œil brisé en français, écrit par Brent Weeks, est sorti en 2014. Quand j'ai fini le deuxième, j'étais allée voir un peu sur Goodreads. Et on m'a fait espérer que cette série allait s'améliorer à partir du livre 3, ici présent. Parce que oui, cette daube, comme je l'ai dit, est une pentalogie, pas une trilogie. Et c'est donc avec un petit peu plus d'enthousiasme que pour le deuxième que je me suis lancée dans la lecture du troisième. C'est profondément, vraiment, un des pires livres que j'ai pu lire. Avec Red Rising et Vox. Vox, j'en parlerai bientôt, vous allez voir bientôt. Je sais que je vous en parle souvent, mais bientôt je vais vous en parler. Je veux dire, c'est toujours aussi mal écrit. Genre les passages en jeu pour expliciter ce que pensent nos personnages, qui sont tous cons comme des balais, au milieu d'une narration en il-elle, parce que franchement, je pense qu'écrire des descriptions, c'est trop, dans un livre qui fait déjà 850 pages. Kip, qui est toujours un gros tas nul, voilà, il se traite comme ça, donc on va le traiter aussi comme ça. Sauf quand le scénario a besoin que ce soit un génie du combat et de la magie des couleurs. Bref, le briseur, le tueur de dieu, enfin bref, c'est... Teia, ou Ti, parce qu'on va pas se faire chier à écrire le surnom, hein, déjà raccourci du nom du perso quand même, hein, juste un T, voilà, ça suffit. Qui ne pense qu'à sa condition d'esclave et base la totalité de sa personnalité là-dessus et de ses décisions. Gavin, qui ressasse les mêmes putains d'événements à longueur de livre, je veux dire, c'est quand même le troisième, on n'a pas avancé. Andros Guile, qui est une espèce de sous Tywin Lannister, et c'est insultant pour Tywin, qui est un personnage autrement plus nuancé, badass et intelligent que ce proto-méchant de mes couilles, alors même que l'auteur essaye d'avoir la même relation entre Kip et Andros qu'entre Tyrion slash Jaime et Tywin, ce qui ne marche pas parce que George R. R. Martin a un truc qui s'appelle du talent, ce que Brent Wings n'a manifestement pas.
Voilà, je sais pas. George R. R. Martin, en fait, il écrit des dialogues et des personnages qui sont équilibrés dans leurs défauts et leurs qualités, ce qui fait que même des personnages méchants, on peut leur trouver des choses à dire. Mais c'est gênant, putain. Non, il y a des passages, vraiment, où on te parle de la taille du zouin-zouin de Kip, qui est un gosse de 14 ans. Genre, non, je ne veux pas ça. Et non, les femmes lesbiennes ne tombent pas immédiatement dans les bras du moindre bellâtre qui passe. C'est pas comme ça que ça marche. Non, c'est un livre qui est gênant, qui est sexiste, qui est tout ce que vous voulez. Oui, c'est une pentalogie, mais là, je vais vraiment faire une pause. Parce que j'ai pas envie de continuer ce truc. Moi, je lis des livres, normalement, pour kiffer. Voilà, c'est mon petit univers à moi, le soir quand je rentre du boulot, c'est mon petit cocon à moi où je me sens bien, où je découvre des trucs. La vie est trop courte pour lire de la merde. Voilà, donc je fais une pause, je les finirai un jour, mais pas maintenant. Voilà, j'aurais dû prendre une verveine pour cet épisode. Passons à Dark Force Rising, le deuxième livre de la saga Throne Trilogy de Timothy Zahn, appelé La bataille des Jedi en français pour absolument aucune raison, est sorti en 1992. On retourne du coup dans la trilogie Throne, qui est la suite directe du premier, donc je vais pas trop en parler, éviter le spoil. Et je dois dire que c'est quand même vachement plus agréable que le premier livre de la saga. On a beaucoup moins de cet élémentaire, mon cher Watson, de la part de Throne, qui sait tout sur tout le monde en permanence, à tel point que ça en devient franchement risible. On a un petit peu moins de Luke, mais on a beaucoup plus de Leia, qui est vraiment le personnage le plus intéressant, je trouve. Surtout que son arc est vraiment cool dans le bouquin, donc ça fait vraiment plaisir de la suivre un petit peu plus. Donc vraiment, pour moi, j'ai beaucoup plus apprécié ce livre que le premier, et j'attends du coup le dernier, parce qu'on l'est quand même lâché sur un cliffhanger qui est assez intéressant, donc j'ai vraiment hâte de voir. Bon, ok, on attend quand même un peu plus de passages avec Luke, parce qu'il ouvre pas mal de questionnements sympas, mais ça casse pas non plus trois pattes à un connard, et je peux toujours pas saquer Mara, donc... On va voir. Passons à Pyramids, Pyramide de Terry Pratchett, sorti en 1990, où nous suivons Tepic, qui est le prince du royaume de Jelly Baby, et formé à la guilde des assassins. Le lendemain de son examen final pour entrer à la guilde, il ressent la mort de son père et doit du coup retourner dans son royaume pour prendre la tête de ce dit royaume. J'ai trop rien à dire, c'est du Terry Pratchett, donc c'est fun, c'est coloré, c'est plein d'humour. J'ai beaucoup aimé ce livre-là parce qu'il est vraiment à part dans la saga des Disques Mondes. C'est un stand-alone, hein, c'est un one-shot, donc il n'y aura pas de suite de l'histoire. Mais voilà, c'est un environnement qui change un petit peu dans cette saga et je l'ai trouvé très très cool. Et le dernier livre de cette pile, Memories Legion de James S.A. Corey, sorti en 2022, il est sorti en mars de cette année, donc vraiment tout tout nouveau. Et quel plaisir de se replonger dans l'univers de The Expanse, vraiment j'ai jamais assez de cette saga. Ce livre, en fait, est un recueil de nouvelles qui compile toutes les nouvelles qui sont sorties entre les publications des livres principaux et qui aborde du coup différents sujets de la saga. Par exemple, on apprend comment Cortazar a commencé à travailler sur la protomolécule, comment Xan et Kara sont devenus les personnages qu'ils sont, l'histoire de Solomon Epstein, je ne sais jamais comment on dit, et comment Amos est devenu le Amos qu'on connaît. C'est un livre très intéressant, qui apporte du background bienvenu sur l'histoire, d'autant plus que certains passages font vraiment écho à la série, plus qu'au livre, avec notamment les personnages de Kara et Xan, parce que c'est une sous-histoire qu'on voit dans la série, alors que dans le livre on n'en parle pratiquement pas, enfin on voit les personnages, mais on n'en parle pas, alors que c'est une sous-histoire très importante de la saison 6 par exemple. Donc si vous appréciez The Expanse et voulez un petit peu plus de cet univers, franchement foncez, vous ne le regretterez pas. Et ben voilà, j'ai terminé mon petit tour d'horizon sur ma pile du mois de juin, alors ok, elle est un petit peu moins importante on va dire que les autres, mais c'est un plutôt bon mois, j'ai envie de dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu ce mois-ci, à me dire si vous avez lu peut-être certains livres de cette pile et ce que vous en avez pensé, ce que vous allez lire au mois de juillet. Moi je vous dis à bientôt dans l'univers. Et bien sûr, si jamais vous avez envie de faire un petit tour sur le Tipeee ou sur mes différents réseaux sociaux, les liens sont dans la description comme toujours.